Éric Piolle. Oui, une explication de vote aussi, Monsieur le Président. Nous regrettons aussi ce projet, je l'ai dit, hein, nous le portons et Klaus Abfass, en tant que vice-président, le porte depuis le début de ce mandat. Et on regrette de précipiter ces votes en l'espace à quelques semaines près, qui ne permettent pas de rester dans la droite ligne de ce que nous avons voté jusqu'à présent ici et qui, de mon point de vue, de notre point de vue, nous fait prendre une décision sans en mesurer toutes les conséquences financières et surtout sans voter ce qui est, puisque aujourd'hui, nous n'avons pas les confirmations des contributions et des participations de chacun à cette PCC. C'est bien malheureux. Je ne vais pas refaire l'ode à la culture scientifique et technique qui ont été faits par un grand nombre des membres de ce Conseil. Nous partageons, je crois, cette forte nécessité de la culture scientifique et technique. Je regrette, en tant que président, en tant que coprésident de ce groupe, je regrette que ce report ne soit pas accepté. Et en l'état, nous ne participerons pas au vote. Nous continuons de soutenir ce projet, mais nous souhaitons qu'il soit sur des rails et qu'il ne devienne pas un objet qui pourrait être le caprice d'élus qui, quoi qu'il arrive, continue. Je crois que nous l'avons construit pour l'instant sur une ligne cohérente, porté par tous, par le territoire. Vous le portez depuis assez longtemps, Président, pour savoir cela. Et donc, je regrette que nous n'ayons pas le temps de continuer à faire cela. Voilà, nous ne participerons pas au vote, donc, sur ces deux dossiers.